Notre Dieu soit loué éternellement. Makasi à Israël. La force d'Israël. Et longa nabiso. Notre victoire. Et sengo nabiso. Notre joie. Kimia nabiso. Notre paix. Oza yonso po nabiso. Et tout pour nous. Kumu yonso ipa. Nous jurons de rendre toute na la gloire. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Tosambeli. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Acclamons le Seigneur Jésus. On pose la place na yo. Et aussi, na yambibino na sansa oyo, oyo to bengi, réconciliation avec Dieu pour la différence. Et na yambibino na sansa na biso ya kozungi sa boyoka inanzambe pour na kubika okeseni. J'aimerais définir encore les mots réconciliation. Na lingiko la kisambiso kozungi sa boyoka ni lingiko lobandeni. Alléluia. Amen. Réconciliation. Et ça, c'est sa kimia, boyokani, entre deux personnes. C'est amener la paix, l'entente entre deux personnes. Selon français, action de réconcilier des personnes ou de réconcilier avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, qu'on réconcilie entre deux amis, par exemple. Kozongi sa boyokani kati ya baninga mibale. Boyoki lingala lobi yango boyokani kati ya baninga mibale. Mais maintenant nous parlons de réconciliation avec qui? Avec Dieu. Tobeteli Yesu maboko makasi. Acclamons Jésus-Christ. Ndeko. Bien-aimé. Na denge mukilezo tambola. Tel que le monde avance. Eza avantageux pour na yo nanga itoki to mibengi bana nzambe. Il est avantageux pour vous et moi qui sommes appelés enfants de Dieu. Tous se réconcilier na nzambe. Que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Sinon, okozanga kimia na mokili oyo. Sinon, tu risqueras de manquer la paix dans ce monde. Je vais te montrer tout à l'heure. Na kotani sa yo sika sikoyo. Alléluia. Amen. La réconciliation avec Dieu. Kozongi sa boyoka ni na nzambe. Eko sala eke no o vivre ya solo différence na sia moi. C'est la faire en sorte que tu puisses vivre réellement la différence sous ce soleil. Parce que yé de mokeli na yo. Puisque c'est lui ton créateur. Et yé de mokeli ya nyonso so luka na sia moi. Et c'est lui le créateur de tout ce dont tu as besoin sous ce soleil. Dès que boyoka nezate entre yé na mokeli na yo, en tout cas na yé bisio okozala na kimia te na moi. Dès qu'il n'y a plus entente entre toi et ton Créateur, tu ne seras pas en paix sous ce soleil. Il nous a créés pour lui-même. Est-ce que vous avez dit? Amen. Alléluia. Amen. Job 22. Job chapitre 22, verset 22. Verset 22, version Darby. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Réconcilie-toi avec lui, je te prie, et sois en paix. Ainsi le bonheur t'arrivera. Merci. C'est notre verset biblique pour cette parole prophétique de 7 mois. Il y a plein de choses. Soyez tous vus en à partir de 21 à 30. Alors, verset 21, la version d'Arbi. Réconcilie-toi avec lui. Je t'ai pris. Au moment où tu as l'obé, je t'ai fait comment? Je te prie. Azo supplié yo. Je te supplie. Pourquoi? Parce que eza à la base ya vie na yo destin na yo. Pwete wana neza moboko ya bomo ina yo. Réconcilie-toi avec lui. Boyokani ezonga entre yo na mokeli na yo. Qu'il y ait réconciliation entre toi et ton créateur. Je te prie. La bonne de Dieu. Et sois en paix. Ainsi, le bonheur t'arrivera. Moko, il y a avantage, il y a réconciliation. Nani a ko bénéficié? Non, natuni nani a ko bénéficié? Et le bonheur ne kobe la yo? Le bonheur. Bolam, merci papa. Le bonheur. Mais yo kamalam. Réconcilie-toi avec lui, je te prie, et sois en paix. Tango boyokani ezate entre celui qui t'a créé nde konangai zala élevé dengenini zala na pouvoir dengenini
Zala na bénédiction matérielle financière denge nini. Oko zala na kimia te. Oipuna nini. Yende kimia na yo. Biloko ya se moyo oyo te. Dès qu'il n'y a pas réconciliation entre toi et ton créateur, quel que soit le niveau de ton élévation, quelles que soient tes richesses, tes avoirs, aussi longtemps que tu n'es pas en paix avec lui, tu n'auras pas de paix car c'est na lui na ta tu paix. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un toutes ces personnes que vous enviez qui roulent dans des voitures luxueuses, tu penses qu'ils sont en paix? Non, nombreux manquent la paix. Parce que la kimia tient. Ils n'ont pas de paix. Kimia na yo. Ils ont des yeux. Ta paix, c'est lui. Quand tu te réconcilies avec lui. Ce que vous avez dit, au bon qui si na yé. Ndeko. Au kozana la kimia et le bonheur. Bolam. Et kozana. Partage na yo. Reçois l'instruction de sa bouche. Mutu oyo asali yo, apesi yo. Instruction, parole de vie. Lo lengi boende okomene vie na yo. Ezana ito osombi television, osombi ventilateur, ata climatise, ata mutuka. Ezala kana iloko tobenga ka Manuel. Amen. Manuel wana ezo pesa yo instruction denge nini ya ko jouir eloko wana osombi denge nini ya ko utiliser ko poe servir yo malamu soki olingo baby sate ifo la na nini instruction denge moko zambe mokeli yo ya sali yo a pesi biso instruction ki e sa parole zala na jet privé e un jet privé la ta veste en or. Et une veste en or. Sapatu na yo en or. Des chaussures en or. Et que se pelisa yo te. Cela ne te donnera pas la joie. Et que pesa yo bola mo te. Tu n'auras pas le bonheur. Est-ce que nazo te ya batu moko? Amen. Nangonga to komi ezangonga chacun de nous. Mutu na mutu azoge la mokeli na ye na tege. Et toi tu. En ces temps-ci, c'est un temps durant lequel tout un chacun doit se réconcilier avec son Créateur sur toute la droiture. J'ai dit à ma femme, même pour ça, à côté, il y a Esilingaï. Je n'ai même plus besoin envie de prêcher. Parce que le fait de prêcher ne va pas conduire au royaume. Le fait de Batu wana bakangolo bakoti na lola yo moko oyo to délivrer bango okoyo ke na livelo. Ceux que tu délivres peuvent entrer au ciel, mais toi-même l'instrument de leur délivrance tu rates le ciel. Réconcilie-toi avec lui. Lui c'est là, c'est Dieu. Et je te prie, et sois en paix. Parce que ceux qui ont réconcilié na été okozala na kimia te. Babilo ko wana ozo luka luka wana, tu te trompes et puis ça kimia te. Si tu ne te réconcilies pas avec lui, tu ne seras pas en paix. Toutes ces choses que tu cherches ne donnent pas la paix, moins encore la joie. Bien-aimé, réveillons-nous. Pour réfléchir. Réfléchissons. Enfant produit a du héritage na edenge biso bitu na héritage pa tata na biso a du héritage a ke ko mené vie à tes sorts. L'enfant produit avait reçu son héritage tel que nous avons reçu l'héritage auprès du père. Est-ce qu'il y a zana ici? Avait-il la joie? Est-ce qu'il y a zana kimia? Avait-il la paix? Kimia na yezo ki erni tango asali nini? A se réconcilier na tata. Il a regagné sa paix quand il s'est réconcilié avec son père. Yamban kolu ya réconciliation. Yamba kolu ya réconciliation. Kozala mwana mukete. Ne soyez pas petit enfant. Paul a lobi. Paul a dit. Oh Galate.
Qui t'a ensorcelé? Nani alokio moto ya Galade? Nani alokio Galade? Qui t'a ensorcelé? Après savoir obandi na molimo oliyo sukana zoto. Pourquoi après avoir commencé par l'esprit voulez-vous finir par la chair? Amen. Loba oza mwana muke. Oyebi liloba zamete. Soko tali liloba zamete. O tali politique tout le monde. Tout ce qui se passe dans notre monde, c'est clair que Jésus revient bientôt. Sauf si vous êtes encore un bébé spirituel, mais si vous regardez la parole de Dieu, vous l'observez très bien et voyez ce qui se passe aujourd'hui. Question, il faut mettre une batte, va couffa. Pose-toi la question, où va l'esprit de tous ceux qui sont morts? Jésus a donné une parabole. Un patron, na Lazare, wana azo tumamana, nani azo ba Lazare. Amoni Abraham, asengi Abraham, asengi Lazare. Soki okoya ko chemi sabina yo, kaka embo nazo. Nyonso wana eza. Tout cela, c'est pour. Parabole. C'est une parabole. Pona koye pisa yo ke, si ma ya vie oyo, il y a une autre vie. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle. Et ça, réconcilie-toi avec lui. Renoue avec lui. Aussi longtemps qu'il est jour. Aussi longtemps que moi et Zali. Sa parole nous a dit. Travaillez à votre salut. Tant que lui encore jour. Le jour vient. Et cause la tota. Yango biso batei. Voilà pourquoi nous les prédicateurs. Écoutez-moi attentivement. Tozana défi. Nous avons un défi à relever. Paul a lobi après savoir prêcher l'évangile au monde. Paul a lobi na sima ya kote ya batu sanguela. Je ne veux pas na boyi na perdre âme nanga. Je ne veux pas perdre mon âme. Yozo trouvé sego ka kote ya batu. T'as la vie na yo vie na yo za dengeni. Tu trouves la joie au fait de prêcher les autres. Observe ta vie. Comment est ta vie na yo za dengeni. Quel est le tas de ta vie? Conscience na yo ezo juger dengo vandi. Ta conscience te juge tel que tu es là. Mutu na mutu. Tout un chacun. Amen. Yango il faut ton règle. Ton règle voix na biso. Nous devons régler notre marche. Et un sacrifice. C'est un sacrifice. Cela dit Gonga Tokomi. Et un Gonga Tokoma chrétien pratiquant. Amen. Nalobi chrétien comment? Pratiquant. En ces temps-ci. Bah ah watomoni au cerf. Tosilisi. Yowana. Na terrasse. Ozo mela. Ozo salayonso. Ça c'est l'hypocrisie. Yo wana, te voilà. Kolanda tata ya batu. Derrière. Kolanda mama ya batu. Derrière une femme d'autrui. Mwasi ya batu. Une femme d'autrui. Point d'interrogation. Tout cela, on doit abandonner et tout se réconcilier na zambe. Sinon, ndeko, mama, yo kangai, ataba pesi yo bongo tengeni, to sala examen, to pratique yango. Ataba pesi yo nini. Zelatan, nangonga ozuyo sepeli non, mais zelatan, okoya koye bake, oyo e wuti pa ya zambete, e pesa kande chakren. Amen. Zelatan, donnons le temps. Oyo e wuti pa ya zambete, e pesa ka chakren, e pesa ke segudo, okomona de kalamite, bling, makambo e komana koya. Ozuyo e bakutu teke, c'est ça la cause. Naningo kisa mutuna. J'aimerais que tu puisses. Baisser ta tête. Commence à prier. Commence à réconcilier avec ton Dieu. Oh yes. Il a versé son sang. Pour nous purifier de tout mal. Engager ma kilanae. Engage son sang. Pour te purifier. Et singa lisungi ya molimo nae. Et demande-le de son esprit. Si vous êtes là, vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Na lingi na pesa yo privilège munene. Yo yo zo yamba Yesu masia. E bande ko yonso bazo yamba Yesu wana na lingi yo loba na sima na ngai kolo Yesu. Parce que yo ne kimia na ngai. Au nom de Jésus-Christ.
to sambeli. Amen. Amen.